Hello tout le monde, bienvenue sur KO Gaming avec Yuma. Salut Yuma. Salut KO. Oh, j'ai pas vu ça. Hop. Oh, une partie qui commence bien. Oui, tout à fait. Et donc bienvenue sur cet épisode 3 de Prince of Persia 3. Hein. On n'est que dans les trucs de 3, donc Voilà. voilà, ça va par 3 ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Eh ben, on avait connu notre double maléfique, du coup. Oui. Qu'on appelait Le le moi Dark profond, Prince. et que oui, que nous avons rappelé, renommé le Dark Prince entre Voilà. nous. Et puis, du coup, quand je suis en prince normal, ça me fait un sacré beau tatouage, hein, l'histoire, là. Oui. Voilà, donc ce nous maléfique nous donne apparemment pour l'instant des conseils. Mais il nous avait caché aussi que quand on avait une transformation totale, l'eau nous remettait à la normale. Donc, il a un petit vice caché, le petit. Et à la fin du dernier épisode, alors qu'on sautait d'un balcon, bah de celui-ci, je crois d'ailleurs, hein. Oui, elle était là, et ben Farah est venue nous secourir avec son arc. Mais elle ne nous a pas reconnus. Ah non, parce qu'on l'a appelée en guise de d'espérance, on va dire. On a crié Farah! Et là, elle arrête, elle s'est retournée, elle fait ben, comment vous connaissez mon nom? Et d'ailleurs, notre moi profond s'est bien foutu de notre gueule quand on a essayé de se dépatouiller de cette histoire. Hein, C'est clair. parce que le moi profond est aussi très sarcastique. Ça apporte une bonne touche d'humour. Et il se fout plus facilement de notre gueule quand même. Hein, quand il se calme un peu le moi profond. Hein. Hop. Mais c'est sympa. Donc voilà, on a fait quand même pas mal de choses la dernière fois. On sait toujours où faire. On Je essaie fais quand même de ça, je sais récupérer pas. notre ville. Hein. Et nous sommes donc encore une nouvelle fois contre le vizir, hein, comme le premier opus. Eh oui. Le salaud est revenu, parce que tout ce qu'on a fait dans Prince of Persia 1 n'a servi à rien. Enfin, parce que nous avons remonté le temps. Exactement. Et on a tout annulé. Donc. Il ne s'est jamais rien passé, et c'est pour ça que Farah ne nous a pas reconnus d'ailleurs. Eh oui. Tout est lié. Alors, où vais-je? J'ai vu que tu avais le cercle de lumière, mais pas que tu ailles en bas. Alors oui, on est de nouveau au-dessus d'un téléporteur. Il va falloir le couper, celui-ci. Ah! Tu nous as pas vus! Là! Tu es mort. Elle m'a appelé étranger. Elle a totalement oublié ce que nous avons vécu. Parce que cela ne s'est jamais produit. Pas de sable du temps, pas d'Azad. Tu tues le vizir, mais tu perds la fille. Elle est là-haut. De toute façon, on sera mieux sans elle. Oh. Aurais-tu oublié? Quelques flèches dans le dos suffiraient-elles à te rafraîchir la mémoire? Nous devons la rattraper. D'accord. Bien que je soupçonne que nous ne voulions pas d'elle. Merde. Apparemment, le moi profond n'est pas d'accord avec Farah. Hein. Non. Il nous a quand même beaucoup aidé dans le premier. Il a l'air de vouloir beaucoup. Babylone va peut-être mieux avec Zervan à sa tête. Oh, je t'ai vexé. Oui, il y a de Voilà. quoi, oui. Zerban, évidemment, vous savez tous que c'est. Enfin, vous avez conclu que c'était le vrai nom du vizir. J'adore ces petites tentatives d'approche furtive. furtive. Oh. Il faut pas oublier que le gardien peut appeler du renfort en pointant son arme au centre. On va essayer de tout faire pour pas que ça arrive. Oui, sinon ça va être beaucoup plus Oh compliqué, hein. putain. T'as bien balancé celui-là. Oui, je pense que ça m'a plus à faire. Le priorité à lui, hein. Oh oui. Il crève! C'est dingue, il crève pas. Allez! Meurs! Je
Bien joué, prince. J'ai eu. Ton incapacité à agir leur a permis d'appeler des renforts. Hein ? Ouais. Mais non, il a rien fait. Apparemment, ça a suffi. Oh non, c'est pas normal, il a rien appuyé. C'était trop lent. Oh, fais chier. Je proteste. Allez, t'en as un autre qui t'attend. Ah bah là, il va y en avoir un paquet. Oh, oh, comment il t'a attaqué, lui. Ah, il faut que j'attaque ceux d'en haut, là. Allez hop. Ah, ce que j'ai demandé, est-ce que je peux encore le faire le combo sur les murs? Oui, je peux me servir des murs encore. Ça c'était vachement sympa quand même. Waouh. Il est devenu vachement extensible hein, quand même. Ouais, c'est clair. Ça y est. Voilà. Encore un téléporteur de coupé. Le pouvoir œil du cyclone. Alors je crois que c'est un des pouvoirs qu'on avait dans Prince of Persia 2, d'ailleurs le même, hein. Appuyez rapidement sur L1 pour... Ah non, on ralentit le temps, pardon, excusez-moi. Ah, sympa. Tu l'aimais bien celui-là. Ah bah oui. Voilà. Donc je ne suis pas servi des sables, ce qui fait que je n'ai pas besoin de casser des trucs. Belle technique, sur le mur, comme ça, tu vas suivre. Ah, donc il vient de prendre une flèche. Oh, loupé. Ah, mais il y a lui aussi. Tu fais de la merde, la KO, hein, t'es pas réveillé, ça. Enfin, le téléporteur n'aurait jamais dû s'activer. Oui, enfin là, tu t'es quand même bien assassiné, hein. T'as plus beaucoup de vie. Hein. Bon, il me fait chier, lui, là. Et attention. Ah. Je me suis fait avoir. Je pense que tu devrais tuer les archers. Tu en as un deuxième là. Okay. Ah, ils vont me faire chier. Ouais. Ah! Mais l'autre, il était pas mort? Eh non. Quel connu, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais non, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Ah, putain. Bon, c'était l'échauffement. Fallait tant que tes doigts se remettent à la manette. Oui, on va dire ça. Bon, au moins, je pense qu'ils vont me remettre après que j'ai coupé le... Oh non ! Même pas ! Oh la vache. Faut que je recommence depuis ici, quoi. Ça, c'est vache. Ça commence bien. T'as pas des trucs à péter là derrière ? Non, c'est là. Non, ça va pas. Oh, mais quel salaud! Du coup, j'ai reperdu mon pouvoir, c'est génial. Ouais, faut surtout tout recommencer. C'est un peu abusé, ça.
Bon, cela dit, s'il coupe. Enfin, s'il n'appelle pas les renforts, ça ira beaucoup plus vite, hein, mais bon. Oui. C'est ici que je me suis loupé tout à l'heure. Le gros lard là, et c'est bon. Alors, ah putain, il fait chier, il se tourne vers moi. Quand t'as pas une armée qui tombe dessus, c'est quand même un petit peu plus rapide, effectivement. Bien. Et puis en plus, bah, j'ai plus ces trous du cul là-haut. Bon, je vais quand même avoir les deux archers et l'autre, hein, je pense. Bah, il est où ? Ah. Ouais, voilà. Il joue à cache-cache. Merde. C'est sûr que si tu commences à taper dans le vide. Mais putain, mais. Mais ils sont voraces, hein. Plutôt oui. Ah, j'en ai eu un. Faut que je tue celui. Ah! Lâche-moi, toi! Ouais, là, c'est bien parti là. Encore une flèche, on est là. Ah, ça y est. Oh non! Sérieux? Ah oui, il te reste plus rien. Oh là là! Oh, oh les vies! Oh merde! Dès que j'en tue un, il me bute. Allez, venez par là, là. Allez. Oh. Ils veulent pas me suivre. Non. J'ai l'impression qu'ils sont coincés par les escaliers. Bon, il reste plus qu'en merdeur. Alors il t'attend, hein. Qu'est-ce que tu fais, avance. Allez, KO. Oh, mais il est tombé sous moi. Là. Eh ben putain. C'était pas glorieux tout ça, hein. Et les ennemis, ils t'en veulent, hein. Ah non, mais ils sont... Ils sont chauds comme la braise, là, hein. Ah bah là, oui, là... Bon là il va me falloir de l'eau rapidement. Ouais. Bah. Merci, le ralenti. Oui. Il y a un petit bug sonore là. Ah, très bien. Cette fontaine est la bienvenue. Oui. Comme ça, au moins, si on a encore mes aventures, on sait où on reprend. Putain, c'est la première fois que je galère autant.
Bon, on va reprendre avec de meilleures bases. Alors, il me faut une arme. Parfait. Ok. Wouah! Et voilà, on l'est monté. Tu as encore des sentiments pour elle, Abouleur. Nous avons vécu tant d'épreuves ensemble. Elle ne s'en souvient peut-être pas. Mais moi, je ne l'oublierai jamais. Oh, ma petite princesse sensible. Jolie vue, on a la tour droit devant. Ouais, encore un peu loin quand même. Hein. Ouais. Du boulot. Allez, cramé par les pigeons. Cette tête piaf. Je crois que tu n'auras jamais autant détesté un pigeon. L'autre il m'a cramé. Ah oh non, non. Non mais oh, t'as cru quoi? Ah, j'en reviens pas. Putain. J'ai connu des chats plus doués que toi. Bon, ça va, on n'est pas un chat, hein. La dague du temps. Que fait-elle en votre possession? Et c'est reparti. Je l'ai prise, au vizir. Le traître. Il a assassiné mon père, m'a jeté au fer et a réduit mon peuple en esclavage. Tout cela pour devenir une sorte de dieu. Je ne sais que trop bien de quoi il est capable. Mais j'ai la ferme intention de le retrouver. Et de lui faire payer ce qu'il a fait à mon royaume. Vous êtes le fils de Shahraman, le prince de Perse? Et vous êtes la fille du Maharaja. Nous voulons la même chose. Pourquoi ne pas nous allier? Éventuellement, si vous pouvez me suivre. Ce petit test commence à me fatiguer. C'est sa manière d'être. Mais je vous assure qu'elle fera une alliée précieuse. On commence à se parler tout seul maintenant. Et on vous voit notre moi intérieur. Bon, et ben ça va rappeler des souvenirs. Ah bah, Farah, elle a toujours aimé qu'on la suive partout, hein. Nous lancer des défis et tout. Ça a toujours été. On la retrouve dans une tenue quand même beaucoup plus guerrière que ce qu'on l'a connue. Hein. Ah, ça c'est clair, oui. Dans le premier, elle faisait quand même beaucoup plus princesse. Là, elle fait vraiment guerrière. Après, dans le premier, à la base, elle était prisonnière, oh mon dieu! Bien joué. Ça aurait pu mal tourner cette histoire. Il y a surtout l'autre avec son arc là. Oui, c'est pour ça. On a vu ce qu'il t'a fait tout à l'heure. Ouh, joli. Oh. Voilà. Ça me rappelle ouais, au début, le début du premier, où il disait « Bon, vous pouvez me suivre, mais je vous préviens, je suis rapide, alors ne traînez pas. » Oui, c'est vrai. Et après, elle nous course et elle nous dépasse. Et après, on lui fait « Mais attendez !» Et elle nous répond « Et vous êtes si fort que je n'arrive pas à suivre. » D'accord, je suis impressionnée. J'imagine que faire équipe est une bonne idée. Après tout, l'union fait la force. Je suis content de votre décision. Faites en sorte que je ne le regrette pas. Retrouvons le vizir. Merci pour la porte. La coopération. Ça m'avait manqué. Là, du coup, ouais, on est trois, là.
Oui, c'est vrai, bah oui, parce on peut dire ça deux. Comme ça. C'est vrai. Oui, parce qu'on se sent tellement seul qu'on s'est trouvé un ami tout seul. Hein. On s'est inventé un ami. Enfin, quand on se transforme, c'est un peu lui. Hein. Au final. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir la tête de Farah quand elle va nous voir nous transformer. Elle va être tellement heureuse. Cela dit, ça fait un petit moment que je me suis pas transformé. Oh, ça me serait tardé. Remarque si, puisque juste à la fin du dernier épisode, j'étais transformé. Oui, t'as voulu attendre de redevenir humain. Voilà, puisqu'on avait vaincu le gros géant. Oui. En libérant plein de prisonniers. Et ensuite, on a fui parce qu'on allait se transformer. Non. Non. Je pense que c'est oui. Ah, d'accord. Je pensais que c'était trop long pour pouvoir le faire. C'était limite. Le Dak a vaincu. Le prince redevenait peu à peu l'homme qu'il avait été. La tension du désespoir s'était dissipée. La situation restait très difficile, mais il avait retrouvé l'espoir. La paix pouvait revenir dans le pays, ainsi qu'en son fort intérieur. Mais les soldats du vizir le traquaient toujours, plus déterminés d'heure en heure. J'aime bien parce qu'elle justifie son état d'esprit avec la mort du Dahaka. Son côté sombre qui a disparu. J'aime bien. Ça se résume qu'en une phrase, mais au moins c'est justifié. Oh, arriverait-on au jardin de Babylone? J'ai vu une fontaine. Bien vu. Voulez-vous que je reprenne à partir de ce point quand vous reviendrez? La végétation, j'ai pas vu la fontaine. On va quitter un petit peu les toits. Enfin, on va voir autre chose. Mais quelle est cette chose? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le vizir. Que lui est-il arrivé? Quelque chose d'affreux. Quelque chose de merveilleux. Attendez! Non! Heureusement qu'il est parti. Vous n'aviez aucune chance. Oh, bien sûr. Suis-je bête? Pensez-vous que nous devrions nous rendre? Ou quitter la ville, peut-être? Je connais une île charmante à quelques semaines d'ici. À notre retour, toute cette histoire sera réglée. Si ça vous soulage de vous moquer de moi, ne vous gênez pas. Mais vous êtes tellement obsédé à l'idée de le tuer que vous ne réfléchissez même plus à ce que vous faites. Vous auriez pu mourir. Sans doute. Bon, trouvons un moyen d'entrer dans le temple. Nous perdons du temps. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, oui. Tout vous dire à vous les hommes, c'est incroyable. Ça y est, on vient de se retrouver qu'on commence déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu peux encore les entendre. Oh. Putain! Ils sont plus mieux. Bien joué! C'est toi quand tu lances ton arme là comme ça? Il y en a encore? Oui. Ouais. Pas fait long, c'est celui-là. Non, je croyais qu'il y en avait un. Apparemment, ça devrait être bon. Il n'y a plus la musique. Oh! Des crédits de sable. Alors, le vizir est entré là. Ouais, ça s'est bien éboulé ici. Bon, on a vu qu'il y avait un trou là-haut.
comment l'atteindre par là. Ok, ça marche, j'ai compris. Hop. Ok. Oh putain. Je pensais que je descendais juste à l'étage du dessous. Ah bah tu serais descendu. Hein. Oh. Non mais oh. Et encore une nulle part. Je n'aime pas voir cette fille foncer partout tête baissée. On fait pareil. Ne craignez rien, elle nous a déjà été d'une aide précieuse. Ah. Franchement, dire ça alors qu'on fonce tous les deux comme des tarés. Ben mais je pense qu'il va dire n'importe quoi pour. Ouais. Pour qu'on s'en débarrasse. Ah, on est bien ici. Ouais. On est très bien ici. Oui, malheureusement, tu peux pas finir le jeu sur ce petit bout. Hein. Non. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que Farah a dit tout à l'heure. Elle n'a pas tort. Comment comptes-tu tuer le vizir maintenant qu'il est immortel? La dague a fait de lui ce qu'il est. Elle peut inverser le processus. J'imagine que nous verrons bientôt si c'est vrai. Dépêche-toi! Oh, on est bien là. Ok. Évidemment, là, je peux prendre mon temps. Voilà. Par contre, c'est quoi cette porte fermée là? Ça me plaît pas du tout. Ah, on peut monter. Oh non! C'est un but cheval, ouais. Attention, cette créature semble se nourrir de ça. Tue-les avant qu'elle ne t'envole davantage. Oh, t'en as une troisième qui arrive. Hein. Ah, je te l'ai fait. Faut pas qu'elle me bouffe, elle, parce que. Celle-là, c'est les pires, je pense. Arrête! Là, c'est bon. Pas qu'elle pique mon sable. Ça a l'air d'être bon. Oui. Ah, une barre fixe. Très bien. Ok, non, j'ai une secondaire encore. Ouais, je crois que j'ai compris. Hop. Ouf. C'était limite. Oui. Pile sur le bout. Ok. Oh, le truc bien chiant. Allez, grimpe. Oh, j'aime pas ces trucs, ça me stresse. Yes. Ça va. Ah ouais, mais à chaque fois qu'il y a un truc à attendre, là, j'ai toujours envie d'aller toujours plus vite. Oh putain, il y a encore un téléporteur là-haut. Merde. Bon, je suis pas mort, mais bon. Pour éviter de refaire 50 fois la même chose. Voilà. Très bien. Mmh.
Non, c'est pas ça. Pas trop. Bon. Je vais sauter là-bas. J'aurais pas parié comme quoi tu y arrivais. On va attendre qu'il se tourne. Hein. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Tu récupères du sable, non? Ah, mais le problème, c'est que si je casse les poteries, on m'entendra. Ça me paraît bien loin, là. Ah, ici, ça me paraît déjà un peu mieux. Alors, lui, il est là. Très bien. Le problème, c'est que là, je descends, il me grille. Il va pas se retourner. Ah, si. Non, il va rester là. Il veut pas bouger, hein. Il veut pas bouger, pépère. Le problème, c'est que l'autre, il va me faire chier aussi. Celui à droite, là. Merde ! Viens ici, toi. Tout sur lui ! Oui. Toi. Et toi, tu sers à rien. C'était quoi ça? Eh ben, c'était un combat rudement mené. Ah oui, là, c'était pas mal. Hein. Et j'ai gagné un nouveau réservoir de sable. 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4? Ah non. 5 sur 6. C'est pas beau ça? Magnifique. Bon, on progresse. Ça. Ah oui, là-bas. Je vais devoir casser ces jolis petits pots. Au patrimoine! Bon, tu vas me dire, vu le peu d'habitants qui restent dans cette ville, à mon avis, ils s'en foutent un peu des pots. Oui, c'est clair. Et quel bel édifice. Mon père a construit ces jardins comme symbole de son amour pour notre peuple. Jadis, tout le royaume était ainsi. Essayez ces leviers. Si j'arrive à passer de l'autre côté, je trouverai peut-être le moyen d'ouvrir la porte. Bien. Alors là, j'ai une porte à ma droite. Très bien. Là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, je peux descendre. Ah, j'ai encore un levier ici. Ça fait quoi ça? Ah, je peux pas, c'est trop. Ah oui, à mon avis, il va falloir que Farah descende cette magnifique petite cloche que je puisse actionner ça. Bon, on n'en est pas là. Alors, le levier. Ouh là là. Oh, la petite énigme. D'accord. Bon, mais ça fait pas avancer le... Le port que je veux. Et sinon, si je vais par là, là... Ah oui, je peux y aller quand même.
par là. Ah, ben voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? D'accord. Et donc, le dernier. Ah, ben voilà. On va pouvoir passer. Vous ne pourriez pas aller un peu plus vite? Rien ne vous empêche de venir le faire vous-même. Oh, 7 ans et rien n'a changé. 7 ans? Qu'est-ce que vous racontez? C'est une façon de parler. Vous êtes vraiment très étrange. Et encore, si elle savait. C'est clair que là... Alors, je reprends celui-ci. Voilà, comme ça, elle passe un chemin de plus. Ah, nous progressons. Je crois qu'il y a une cloche dans la tour. Amenez-moi au balcon suivant et je trancherai sa corde. Vous pourrez l'utiliser pour atteindre le levier de la porte. Parfait. Avec ma chance, ça va encore déclencher un piège horrible. Ou appeler des monstres de sable. Ou déclencher l'apocalypse. Ça vous ferait mal d'être un tout petit peu optimiste? L'expérience m'a appris que rêver éveillé conduit toujours à des déceptions. Oh, mais il ne va pas bien? Non, il est en dépression, notre prince. Ben voilà. Oh, c'était très facile. Oh, putain. Allez! Couché! Regardez. Oh, ça fait mal celui-là. La vache, elle qui m'a... Oui, c'est elle. Mais tout ça, là! Mon Néo. Dingue, ça! Sale bête! C'est bon, là. Ah, je pense qu'il faut que je mette le balcon là-bas. Tu penses? Ouais, je vais revenir au premier levier. Non. Oui. Ouh, c'était limite. Parfait. Vous voyez? Vous avez réussi? Nous avons réussi. Et puis ça, maintenant, comme je l'avais dit au début... Pour pouvoir grimper. Exactement. Attendez. Il y a des blessés à l'intérieur. Il faut les aider. Allez-y, Farah. Occupez-vous des blessés. Je vous rejoindrai quand j'aurai réglé son compte au vizir. Et s'en va. C'est chevaleresque de sa part. Oui, bah oui, elle te laisse faire une énorme connerie. De toute façon, faut pas vous laisser tout seul, vous êtes pire que des gamins. Oui, mais nous, on arrive à réparer nos conneries. Le prince et Farah se séparèrent. Elle voulait sauver des vies, lui voulait tuer. Car il avait la ferme intention d'affronter son ennemi, en utilisant peut-être les puissants guerriers cachés dans le temple. Les idées de vengeance se bousculaient dans sa tête. Mais il y avait aussi autre chose. Alors qu'il descendait, ses pensées ne cessaient de revenir à Farah. Et il se demandait si elle aussi pensait à lui. Oh, c'est trop mignon!
Elle vient juste de te rencontrer, elle se rappelle plus. Elle va penser à toi de suite. Et... Ah, enfin. Putain, la bénédiction. Est-ce à ce point, je poursuivrai mon récit à partir de ce point la prochaine fois. Bon, le vizir. Où est-ce qu'il est? Cette fripouille. Oh, mais quelle vilaine fripouille. Attention. C'est un méchant. Je suis violent. Oui, tu devrais surveiller ton langage, K.O. C'est fripouille, c'est quand même un terme très violent. Hein. Il s'est passé des choses ici. Oh, comme un peu dans toute la ville, quoi. Oui. Ah. Envahir une ville est une chose, mais le faire avec autant de violence et de cruauté en est une autre. Je lui rendrai au centuple les coups qu'il a portés à mon royaume. Nous sommes tout prêts, mon prince. Faisons-le souffrir. Putain, on est le bouffon vert, quoi. Ah. Eh merde. Allez, la course au sable pour survivre. Heureusement que Farah n'est pas là. Mon alter ego s'est réveillé. Hein, je trouve pas qu'il ressemble un peu au bouffon vert. Oui, si, c'est vrai, avec la voix là un peu. Fais-lui désirer la mort. Oui, c'est vrai. Frappons-le au cœur. Ouais, par contre, traîne pas trop. Hein. Ah. Oh, j'adore ces chaînes là, je les trouve vraiment géniales. Oh putain. Ah, pas lui. Si on a bien un qui tombe mal, c'est lui. Ah bah surtout quand on est en Dark Prince, hein, parce que le sable c'est ma vie là, quand je suis comme ça. Bah oui, là oui. Donc là s'il me vaporise, là on va passer par là. Voilà, ensuite là c'est fermé. Dépêche-toi K.O. Il est de dos. Hop. Allez, t'es cuit. Ah. Bien joué. Hop. Ah, t'en as un deuxième, fais gaffe. Ça va, il bouge pas. Mais je me demande s'il est pas un peu bugué quand même. Hein. Ah non. Bon. Du coup, tu dois t'en mettre à part. Non. Merde. J'ai sauté trop tard. Bien joué. Ensuite. T'as le bloc là sur la gauche. Non, je peux pas l'avoir d'ici. Ah bon? Ah, comme ça, je suis bête. Voilà. Et là. J'espère que tu vas vite recroiser les ennemis là quand même. Ah oui, je les entends. Où est-il? Merde! Et c'est la chute. Trop tôt plutôt. Ouf. Oh, t'es un peu plus loin là. Le dieu du temps, je vous apporte le présent. La douleur et la souffrance. Bien joué. Hop. Ah, on l'a pas vu celui-là. Ouf. J'ai récupéré du sable pendant ma chute, heureusement. Bon alors, je vais par où? Par là. La dernière ligne de Babylone a cédé. Ces hommes nous ont servi fidèlement. Mais maintenant qu'ils sont morts, la cité est aux mains du vizir. Merde. Oh, la vieille chute. Comment ça se fait qu'il s'est pas raccroché, cet abruti? J'ai pas compris pourquoi il s'était pas rattrapé, mais bon. Oui. Et ensuite, là-bas.
Mais putain, mais c'est pas vrai. Tit. Allez. Non, c'est une blague là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est clair. Bah, j'ai même pas vu lui. J'ai même pas vu. Ah non. Alors, par ici. Oula. Oh non, pas eux. Ah, tes amis. Oh, on dirait qu'ils n'aiment pas la lumière. Attire-les vers la lumière. Frappe dans l'eau, ils sont aveugles. T'en sors bien, c'est bien. Allez, putain. Ouh, ce qu'il a pris lui. Ça suffit! Je sais pas. Je n'aime pas le mur! Ah! Mais encore. Ouais. Ah, le bouton. Oh, ça fait longtemps. Rejoignez vos frères dans la mort. Ah tiens. Mais. Oh. Merde. Ouais, là tu peux le dire. Il était juste devant moi. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Merde. Ah! Magnifique. Il s'est barré, l'enfoiré. Évidemment. Quelle demi-portion. Ça, c'est clair. On va faire du sac. Putain, c'était tendu, cette phase-là. Oui. Je t'en ai bien sorti, hein. Ouais, plutôt. Ouais, plutôt, tu t'en es très bien sorti. Bon, mais je pense qu'il va falloir vider l'eau. Hop, c'est comme une baignoire géante en fait. Sauf qu'il n'y a pas de mousse. Oh. Oh non, pas eux. Ça me rappelle des souvenirs du 2, ça. Ouais. Ça m'a manqué, hein. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus chiants. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont pas quoi? Ils sont encore plus chiants. Bon. Là, le seul avantage qu'on a, c'est qu'ils sont pas puissants. Par contre, ils sont méga rapides. Bon, ça va. Ok, ici. Voilà. Ensuite, on remonte. Chaque fois que je le rejoins, il s'enfuit. Pourquoi a-t-il peur de m'affronter? Ce serait si facile s'il se battait. Tout ne se résume pas au combat, mon prince. Certaines batailles se livrent autrement. J'ai bien peur que nous ayons sous-estimé notre adversaire. Ne reproduisons pas cette erreur. Je pense qu'il a raison. Je
peux continuer à monter ou je peux aller là. On va aller là. Ça sent le passage secret. Ah. Ouais. Derrière le petit rideau là. Allez, je prends le risque. Et là, on retourne au début. Il y avait une porte ici, non, à mon avis. Oh oui, là, le long couloir. Eh ben voilà. Bingo. Bon, alors, ça va être quoi les pièges, là? Ok, des volets. Beaucoup trop calme, ici. Oui, je trouve aussi. Oh! Ah mon dieu! Ah la 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 la! Ouh que c'est tendu! Voilà! Oh la vache! Bah, premier coup! Ça c'était du piège! Hein. C'est clair! Le truc bien calme au début! T'as par contre le bonus santé, il est maigrichon, hein? Ouais. Faut dire qu'il reste plus grand chose, hein, si on doit aller juste au fond du cercle. C'est ça. Il reste plus que. Enfin, il reste tout le jaune à parcourir. Oh, bah, je suis revenu là, ok, très bien. Allez. Recommençons. On y retourne. C'est bien ce qui me semblait, il fallait bien aller en haut. Maintenant... C'est chaud ça. Ça passe. Oh, la lumière du bras. Ouais, c'est clair. Besoin d'une LED? Prenez un Prince of Persia. Ah bah lui dans le noir, il est tranquille. Hein. C'est pire que Luminou. Un petit interrupteur. Ce silence est pesant. D'accord. Ça ferme une porte pour moi. Babylone s'était finalement rendue et personne ne pouvait plus venir en aide au prince. Il était désormais le seul espoir de la cité. Et s'il échouait, son univers serait détruit à tout jamais. Car le vizir ne pouvait se contenter d'être roi. Il voulait être un dieu. Super! Le prince avait-il conscience de la situation et accepterait-il cette responsabilité? Était-il prêt à devenir un héros? J'ai déjà été. Enfin, pour moi-même, mais. Oui, pour toi. Quand même très égoïste, hein. C'est pas faux. Alors maintenant, est-ce que tu vas réussir à sauver autre chose que ton petit patrimoine? Parce que depuis le début, tu parles pas des gens ou de quoi que ce soit. Hein. Non, c'est vrai. Tu parles que d'une chose, c'est de ton petit trône qui a été pris par le vizir, tout simplement. Ton royaume, voilà, je cherchais le mot. C'est la première fois qu'il va venir en aide aux gens. Enfin, si, on le fait, bien sûr. Oui, il faudrait déjà qu'on arrive à passer ce cap-là. Là, comme je disais, la seule chose à laquelle on pense, c'est au royaume. C'est ça, tout à fait. 53 minutes. Eh ben, parfait. On va s'arrêter ici. Bon, je me serais littéralement planté au début de cet épisode, mais je me suis plutôt bien rattrapé. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Pour l'instant, le duo Pharah-Prince de Perse a été que minime. C'est vrai. Mais on va peut-être les revoir, tous les deux. Oh, allez, je pense. Eh ben, on verra ça la prochaine fois. Allez, salut tout le monde! Salut à tous!